Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir moi avec nous à Souéa pour émission si là. Non pas monsieur Nalka, Faïdra Fortuné, moins content à Souéa pour chita sur un plateau avec yon légende dans l'industrie musicale haïtienne avec une belle artiste femme. Tout le monde remet sur TikTok, tout le monde remet sur Instagram et tout fait parler en pile de lui. Émission ça, m'a pas qu'à faire pour comme parce qu'on apprécie souvent légende. Et bien sûr, on va accompagner avec Stacy. Bonsoir Stacy. Bonsoir Nelka. Ça va et toi? Ouais, ça va. Que j'en sens toi soir pour ce plateau ça. Super bien en forme. Pareil pour commencer. Je me dis à Stacy, moi gagne une légende dans l'industrie musicale haïtienne qui sous plateau ensemble avec nous et une la plus belle femme haïtienne qui sous plateau ensemble avec nous. Ouais ça. Bon, on va commencer avec Fia d'abord. Ou d'accord. Oui, honneur aux femmes. Mais espérez les gens ne l'ont pas fait jalousie. Non, les galants. Ah bien. Bonsoir Fabiola, ça va? Bonsoir mesdames, qui j'en ai à ce soir? Ah non, femme. Je suis vraiment belle. Non, c'est où même quand même? Ou acheter mis son nom même à ce soir? Fabiola, rapidement, présente-toi. Qui est-ce que Fabiola Shine, donc c'est mon chanteuse, ok, qui a chanté avec Dan Junior depuis pas mal de temps, peut-être en 7 ans comme ça. Mais en première musique qui est naturellement, on pensait que c'est sous musique ça que toute fanatique Fabiola Shine qu'on aime. Naturellement. Et puis après ça, on fait quelques singles et puis je dis à Mvin avec un nouveau produit. J'ai toujours dit femme dans la compétition avec femme pareil. Mais ma soeur m'a fait différence là, m'a quitté. C'était si posé deuxième question. Stacy, c'est à toi. Hein? Alors Fabiola. Petite question pour vous. Tu es absent pendant quelques années. Pour quelle raison ça? Bon, tu fais un break, effectivement, dans la musique, là, musique haïtienne. Là. Bon, je pense que je ne parle pas dans tout petit détail, mais tu as deux trois petits événements qui étaient passés dans le milieu, qui étaient un petit peu. Qui étaient dans mon petit coup de mou, je me dis ça comme ça. Et puis, tu as aussi l'autre activité personnelle qui t'a fait que je n'ai pas de cas présent. Et je pense que c'est ça qui a justifié l'absence moi. Donc, nous ne pouvons pas quitter les gens de Chita là, nous ne pouvons pas poser des questions. Non. Bonsoir Dan, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Pourquoi ça a toute fraîcheur ça, Dan? Parce que c'est comme ça, c'est. Puisque m'invité par des jolies filles comme vous, c'est normal pour moi. Hein. Sous 31. Dan. Question moi si j'ai trouvé le dur, mais m'a posé. Je décris Dan comme un artiste haïtien qui est très usu, très très prétentieux. Moi-même, rencontre avec Dan, c'est pas ça j'aime bon. C'est pas ça comportement Dan dit non. Ça qu'il faut penser, Mounio, penser ça de vous, Dan. Ça dépend, ça, Mounio, le prétentieux. On m'a dit que je suis prétentieux. Parce qu'on pas même. Mais sous pas un, nous pas même. Si nous pas traîner dans le même chemin. Je ne vais pas me croiser. Peut-être c'est pour ça. Mais non, parce que je suis un monde qui peut être très à part, qui est toujours dans un petit coin pas. Mais je n'ai pas de problème avec personne. Moi-même, je vais découvrir Fabiola, c'est ensemble avec vous, dans la musique naturellement. Font-il parler nous de l'expérience ou même à Fabiola? Qui est-ce qui fait collaboration ou même avec elle continue ensemble? Bon, je pense que c'est gentillesse. Peut-être même ses qualités. Qui marie ensemble, qui finalement nous dit bon, on a collaboré, on a fait pas mal de petits bars ensemble pour nous arriver, sortir un projet qui peut faire nos plaisirs. Et puis au fur et à mesure que bah, y a fait. Tu n'es pas un gars différent, si nous mettons nous ensemble, tendez voix moins souple. Oh, bébé. Fabiola, c'était cité Mando, pour qui ça, ou t'es fait tout le temps ça, absent. Mais les Fabiola retournent, nous, on Fabiola qui retournent, tout feu, tout flamme. Tout le monde, comme si accueilli Fabiola, ça bien, sur TikTok, Fabiola, c'est celle chef Instagram, c'est le chef web dirigé. Donc, est-ce que tu attends à tout le monde, ça, ou que tu n'as pas le coup d'ailleurs, malgré que tu ne mettes rien de yon. Ou retournent comme ça, mais tout le monde bien prend. Tu es soif, Fabiola, tout. Bon quand même, Dan Junior, il dit que je soif de toi. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que vous dites une phrase qui est très importante. Pas t'attendre à bel accueil, ça, vraiment. Et je pense que c'est ça qui me force avec énergie, je dis, pour me continuer dans la musique. Parce que moi, je suis bien fanatique, mais ça m'a fait. Après, c'est après Commando, nous parlons Fabiola encore. Yeah, après Commando, et je me suis fait dans l'absence, vraiment. Commando, c'est ton projet, et on l'autre, comme tu as dit ça.
on leur équipe qui t'ai contacté Dan, qui t'ai besoin, qui t'ai contacté Dan, il a dit comme ça que t'ai besoin Fabiola sur l'autre projet, etc. Donc, on a dit que commander sur une musique qui pas vraiment non, qui pas vraiment compas, on a dit ça comme ça Dan, peut-être, oui, qui on l'autre. On l'a style musique. Qui gagne en zouk compas la dame quand même. Bon, quand même. Fabiola Zumba qui a attiré l'attention, là, il a été contacté Dan. Donc, si on a besoin de Fabiola pour n'importe collaboration, ou soit sur n'importe projet, c'est pas Dan pour nous passer? Jodi, hein, en tout cas, c'est Dan qui est chef principal dans le projet. Donc, je pense que si on a besoin de collaboration, sans problème. Dan, on tourne avec une très, très belle musique. Belle vidéo. Belle texte. Qui est-ce là-dedans? Dernier, vive l'amour. Vive l'amour à Balayenne. L'amour nous pour la paix. Je ne parle pas de vivre l'amour, mes amis. C'est ce que je vive aujourd'hui. Ah ouais, vive un bon amour. En tout cas, Dan, je te vive l'amour à Balayenne. Dan, je suis célibataire. En tout cas, moi-même, je me mets dans l'isla. En tout cas, moi-même, je me mets dans l'isla. Parlez-nous de projet, ça, Dan. Bon. Et sincèrement, c'est que on connaît que depuis que j'ai fini de faire Madul Ciné, après Madul Ciné, Covid l'a fait un petit coup. Moi, j'ai réalisé après en musique chaque fois que je te vois, qui était supposé bien passer. Mais par rapport à un projet que j'ai gagné, qui était vraiment important, le projet a été venu tomber en même temps. La musique a été sortie une semaine après. Bon, j'ai quitté la musique, ça fait des lagues comme ça. Et puis l'année dernière, moi, j'ai sorti. En musique elle est méritée. Nous t'ai commencé à faire tourner sur musique ça. Par manque de chance, le regretté Mika Ben t'est mouri. Deux ou trois jours après, nous bâillons tout bagaille vague. Depuis Léa, nous t'ai dit bon, pour nous reprendre la promotion musique ça dans deux mois, trois mois après, bon, c'était nous t'ai bâillé vague. Et puis nous dit que bon, comme nous avons un album qui était fini, nous avons pile musique, nous avons choix pour nous choisir musique. Et mois de mai, passé à moi une Fabiola nous dit nous pour choisir une musique comme nous avons plusieurs duos qui fait déjà qui clipé mais qui pour sortir nous dit que nous pour choisir une dans l'autre musique qui nous marche non nous pour mettre parole code vidéo ça a shooté Dan et j'ai oublié moi parce que c'est dans le sud de la France Dan pas qu'à nous prix fonti jolé c'est une émission mouillée fonti jolé prix vidéo ça wow. Approximativement. Non, grande question qui est très importante après question ça. Je vais répondre à question ça pour me poser l'autre question. Combien de vidéos ça a coûté? Combien de vidéos ça a coûté? Bon, faut me dire que vidéo ça a coûté nous, c'est presque 30 000 dollars. Ah bon? Euro. Euro, ah oui, Lydie. Euro. Ah ouais. Euro. Pas dans deux là. Kaila avec le bateau. Ah bon? Plus question Kaila qui est sous l'en mer. Mm-hmm. Il t'a un prix, nous prenons pour deux jours en plus. Mm-hmm. C'était un prix vraiment. Gon raison qui fait me poser question ça là. Nous connait pour qui ça? Parce que ça fait longtemps m'attendais parole ça nous aurait moi. Artiste haïtien qui vivent la France, pas gain l'argent. Yo pas qu'à investir. Donc ou même ou venir ou faire autre chose. Artiste ou bien monde qui vivent la France. Artiste haïtien qui vivent la France. Yo mettre monde la France sur, d'ailleurs tout monde dit tout monde connaît monde la France diaspora la France c'est pas bien côté sur yo. Bon. L'autre côté va mieux non? Pour moi passer toute diaspora fait même bagaille. Les diaspora voulaient font ti diolè la dépenser. Mais après faut dépenser avec limite. Il gagne bill li pou payer. S'il gagne ti moun faut le gérer foyer. Mais si ou di artiste en France pas gagne cob. Ti moun nan connaît s'il gagne cob plus que artiste yo. Après ça dépend qui artiste. De qui artiste li parler, de qui moun li la parler. Bon, ça me tendait l'empile que artiste qui vivent la France yo, yo pas dépenser pour promotion, yo pas veulent travail, yo pas gain budget tout. Effectivement. Bon, faut faire attention aussi, moun k'ap dit ça. Est-ce que moun k'ap dit va le dépenser pour promotion, est-ce que c'est un moun qui dans promotion? Si c'est un moun qui dans promotion, faut qu'a contenter. Non, yo qualifier moun qui vivent la France comme moun qui pas gain l'argent, qui pas gain moyen. Peut-être. On va rajouter un petit bagage. En tout cas, moi-même et par rapport à l'expérience que j'ai gagné avec Dan depuis que je travaille avec elle, Dan est un monde qui n'a pas dépensé pour la musique. Depuis qu'il s'agit de musique, il croit dans ça qu'il fait. Je pense que peut-être c'est ça qui fait que l'arrivée, côté l'arrivée à Jodia, il n'a pas dépensé. Là, je dis Dan comme ça, ok, et nous garder bateau, c'est tel prix, tel prix, tel prix. Il dit, oh, nous n'avons pas besoin de mieux. Il me dit, non, il dit, ok, on allait.
n'est pas dans son pour tout ce qui est professionnel et musique. Let's go. Donc est-ce que au même tout Fabiola ou bah ti quoi pour ou bah quitter dans faire toute bagarre pour quoi? Yeah, participer tout. Moi Fabiola réfléchit, il bat les plus. Yeah, bon après puis production, gros production, c'est Dan, OK? Mm-hmm. Mais il y a pas mal de trois petits bagages que yeah, on la donne aussi un petit peu. Mm-hmm. Dan, est-ce que c'est vous même qui manage tête ou soit il y a une équipe qui là, soit il y a une équipe qui en France qui travaille ou soit aux États-Unis qui là? Mais ça dépend que ça ou les managers. Est-ce que dans bon terme manager, il y a monde qui toujours dit manager, c'est monde qui a dépensé pour un artiste, c'est ça? Mm-hmm. Non. Qui a cherché pour un artiste là. Manager bon, c'est pas comme ça dire. Ça qui passe. Bon, manager. Moi même c'est producteur propre tête moi propre tout ça me fait depuis dès le départ. Et manager c'est monde là fin réaliser tout projet ou bail droit pour aller chercher contrat pour jouer, pour chanter, pour performer. C'est lui-même qui est manager. Il y a des gens qui confondent que manager, c'est lui-même qui est responsable d'artiste là, c'est lui qui a dépensé pour artiste là. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, ça fait moi que Dan, c'est son monde qui est très, très réservé. Hein? Parce que depuis petit matin de Dan, m'a prépété encore. Depuis petit matin de Dan, pas vraiment qu'on a rien de Dan, comme si de vie privée Dan. Est-ce que Dan marié? Est-ce que Dan est petit? Dan, ou pas je me partage rien avec Fanatico pour qui ça? À part de c'est musique, dire, vie privée ou Kimbe ça. Donc c'est non, bien que artiste professionnel. C'est normal. Mais Dan, on n'aime pas à part de ça que t'es passé dernièrement, yo. On a vu ça tout à l'heure. Dan, tant pis. Nous avons escalé la montée. Là, nous avons première qui t'aime pour deuxième. Ah, pour deuxième. Ça qui passe. Ça sont premiers. Pourquoi ça, Dan, comme si était lui-même. Nous pas Dan, vous avez collaboration avec l'artiste? N'importe qui, si moi, mon a un talent, nous a fondu, ça va me déranger. Bah, c'est nous-même. Wow. Fabiola. Moi, c'est que c'est non. Par contre, si c'est que non, mais lui, il y a ici un qui est comme ça. Si un artiste pas ouais intérêt, lui, non où? Il n'est pas intéressé à faire du rap. Le monde vient comme ça. Tout le monde a cherché intérêt. Yo. Non, pas forcément. Moi-même, j'ai fondu avec Tia. Tia pas de connu. Et pendant cette enquête, c'est une musique qui traverse le monde. Ouais. Qui est les Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. C'est aujourd'hui. Voilà. Je fais du avec Milka. Même si nous pas jamais rencontré. Et ben m'ka dit que en tout cas m'ka dit ben c'est nous-même qui font ça parce que jodi a pas gagné un artiste qui a fait un duo qui a voulu faire un duo avec aussi s'il pas ouais toi va mener moi même ça pas déranger soit pour ton bagaille pour lui en plus hein moi même ça va bagaille il a cherché en haut exactement il pas fait comment feedback là pour après vivre l'amour franchement nous bon bel feedback vraiment content et m'apprécier ça en pile parce que on est que nous-mêmes là on a travaillé sur un projet c'est pour que si vous fanatique vous aurez un même projet pour qu'à enjoy les soulis on a dit que vraiment en tout cas pour le moment on est content en pile critique c'était si je dis que pas attendre que Fabiola t'as pas le faire buzz pour musique t'as pas le sortir mon a tiré coup de pied mais tant qu'il a sous-estimé Fabiola et Dan Junior là qui a fait buzz on monte tant que Dan Junior on légende tant que Dan Junior mais t'as su bagarre là tout mais ouais c'est Fabiola qui t'es commencé avec des phrases que t'as mettez sous story Instagram ni des photos que t'as publié et nous gagne des blogueurs qui très très connus en Haïti qui poste ça Fabiola posté et nous t'es Dan tout est bail on répond avec une femme blanche Mose dit avec une femme blanche Dan bon m'a pas Fabiola mais tout ça va t'a dit yo gain rapport avec musique là yeah. Fabiola ça t'a cherché même bon quitte me zoom déjà femme dit que jodi a et enfin nous avouer mon yon aimé histoire c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai bon c'est pas vraiment ça nous t'ai besoin c'est pas besoin t'ai besoin faire OK mais nous t'ai besoin on t'a cherché comme t'as dit ça une stratégie OK l'on sort une musique faut jouer nos façons pour qu'on mette musique là en valeur OK on dit dans nous constat ça penser si nous mettait tout petit point phrase qui dans parole musique là qui dans musique là si nous mettait tout dehors si nous pas toute cette image comme si nous ouais attends une fois que me dit mon yo pas inquiété alors de créole Fabiola hein oh yeah en tout cas mais c'est faut quand même non nous comprenons Et nous essayons de chercher une stratégie, nous essayons de prendre toutes les paroles qui sont dans la musique, nous la gueule d'ailleurs. Quand il y a des gens qui pensent l'autre bagaille, ils font histoire, ils font zin, bon.
Tu as les Fabiola. Bon question qui est très très importante. Photo wa. Pour qui sa photo ça te prend la rue. Bon nous voilà en vidéo wa. Yeah, elle est en vidéo wa. Mais dans vidéo elle pas déchirée. Mm-hmm. Mais sur story Instagram, elle déchirée. Qui est-ce qui déchire photo ça? Yeah, c'est moi qui déchire. C'est moi qui déchire. Nous t'es pas le monde quoi que on a une relation avec Dan. Bon, photo ça nous fait l'exprès pour clip là. Nous connaissons que nous bon clip qui pourra le faire, nous font photo, nous maquiller, nous bagaille, etc. Nous fait photo pour clip là. Dan, ça n'a pas affecté comme si relation avec Mono ou les photos ça prend la rue? Fabiola mal répondu. Ça s'est passé. Parce que dès le départ, c'est nous t'ai dit que son l'a illustré. Uh-huh. Yeah, illustration de ça qui passait dans le clip là, mm-hmm. de l'histoire musique là, mm-hmm. qu'elle a sorti en 2-3 semaines avant mm-hmm. sorti projet. Yeah, mm-hmm. C'est ça. C'est ça le délire. Mm-hmm. Il mettait phrase qui dans la musique là. Mm-hmm. Et sauf avant que il te commence à faire ça, moi-même comme qu'on aime un album qui prêt, mm-hmm. moi t'ai dit que Dan courir avec interview en amène nous. Moi t'ai dit que vaut mieux sauter. Vaut mieux prendre du recul pour mieux sauter. Mm-hmm. C'est musicalement. Mm-hmm. Maintenant, mon Dieu, les points, c'est avec Fabiola qui m'a parlé. Et tu fais ce qui te dit, pas qui a raison. C'est dans la musique langue. Oui, oui, dans la musique langue. C'est dans la musique langue. Et photo avec Dame, non, ça n'a rien à voir avec moi-même. C'est un clip vidéo qui fait. C'est Dame. Ah bon, pour ça, c'est dans le moment, ça, Dame. Tu vois, c'est dans le moment, ça, Dame. Photo après la vie. Vas-y, sortir. Dame dans des autres. Dame dans des autres. Parce que là, le poster là, qui réaction tu as gagné? Là, le poster là. Je ne suis pas au courant même. Qui Dame dans tes posters? C'est dit, Yobindou. C'est dit, Yobindou, mon Dame qui poste ton photo avec moi, la gars qui boit sous boit sous. Est-ce que c'est mon point? Et puis, Mounio a interprété ça mal. Ah, il y a laissé finir avec Fabiola, comme si M. Gilles était avec Fabiola. Oui, mais maintenant, M. Gilles était remplacé. Tout ça, c'est parole. Mm-hmm. OK? Parole. Non seulement, c'était business. Business. Fabiola, c'est Zamim, Famim. Mm. Ouais, les cousines, moi. Sœurs, moi. L'avenir dira le reste. Oui, c'est ici. On tourne sous petite question. Mm-hmm. Fabiola. Au niveau du clip, dans un passage où balancer à Dan. Yeah. Aidez-moi, Nelka. Nous, c'est en pile, non. Parti ça, à peu détourner en pile. Mm-hmm. Maman, ça, tant coup, si on révolte, mm-hmm. ouais. Mesdames, vous prenez si parti ça. Mm-hmm. Ça, vous pensez TikTok, de. Hein? Oui, sur TikTok en pile, moi, tout. Instagram. Est-ce qu'on est d'accord comme si pour mesdames, vous mettez monsieur dehors? Oui. Oh, bon. Parce que ça. Parce que l'histoire clip là, il retrace ses vies en pile de monde. OK? Mm-hmm. En pile de monde qui a retrouvé dans l'histoire ça. Mm-hmm. Après, chaque femme réagit, j'en ai oublié. Ah, oh. Ça veut dire ou d'accord? Voilà. Réagit, j'en ai oublié. Mettez garçon dehors. Ça dépend des circonstances là. Tout dépend. Mm-hmm. Mais ça dépend si c'est, okay. Si c'est Kaifia. Et si c'est un garçon qui met ton femme dehors? Ça va fait. Parce que c'est une femme qui gagne caillou. Oui, je pense que c'est une femme qui gagne caillou. Oui. Ça dépend de circonstances. Et vous-même, dame. Ça vous pensez? Bon, celle ça me connaît. Grand niveau en garçon, on ne fait pas qu'à mettre le dehors. Ah, pas fait ça. Pas fait ça. Respect pour faire. Respect pour faire. Non. Respect pour faire. Dans le building, on pense qu'on fait qu'à mettre le dehors dans le building, ça. Respect pour faire. Un. Et deuxièmement. Faire ou non. D'accord, d'être qu'à respect pour faire. Il y a des grands proverbes qui disent fille pas mettre gagne dehors. Regarde ma connaissance. Et ça me dit où t'en es aussi. Qui est bon ça? C'est le gars qui gagne. On se met de l'album dans l'autre cas. Pas perdu. Dan, tu as parlé de l'album qui parle. Donc, si je comprends là, nous parlons plus de bagages que ça qui sortit. Avec ça, qui parle. Avant vous, Banou. Ça, son premier. Parlez-nous de l'album. Pour le projet Fabiola, ça, son premier. Ah bon? Bien projet. Ça veut dire un pile bagaille, ouais, Fabiola, ça son premier. Ouais. Ah bon, d'abord, vous avez dit dire qui est l'album ça a sorti? Bon, normalement, pas trop avancé. Je suis supposé sortir dans le mois de décembre, mais bon, je pense que mettre tête entre 10 et 15 janvier, mm-hmm. c'est en fonction Dan, de ça. Tu as respecté date là, oui? Moi, je me la gueule. Dan, entre 10 et 15 janvier. Je me rappelle, oui. Mais c'est okay. Sauf, c'est en fonction de ça qui va le passer. Oui, parce que toute journée, un drame, blablabla, Haïti. Calendrier, monde n'a pas la même. Calendrier, Haïti, pas la même. Calendrier, l'autre artiste, pas la même. Parce que l'autre artiste aussi, on l'a dit à tout moment. L'autre dit l'autre artiste, est-ce qu'on peut, comme si on l'autre album pour sortir, qu'on couvre l'album pas? Pas forcément. Lors que vous avez un projet, que vous avez confiance là-dedans pour aller sortir, vous avez un travail où vous voulez faire, vaut mieux que vous fassiez attention pour ne pas sortir même là avec tout le monde. Imaginez 3, 4, 5 albums sortis en même temps.
bah yo vinn trop mélangé. C'est ça me penser. Mais si c'est en deux albums, ça va. Combien musique album ça a bien celui-là? Je pense que 12 13. 12 à 13. Donc Fabiola dans tout soit Fabiola dans quelques sous projet. Fabiola t'as supposé dans deux musiques sous album. Deux seuls mandats. Vive l'un moins plus son l'autre. Pardon? Mais mon grand projet, mon grand projet avec Fabiola. Mon grand t'as gagné 8 musiques. Ah, projet ça c'est projet Dan Nabié. Son projet, si ça c'est projet Dan. Dan qui invite Fabiola sous lui. Sous en deux musiques. D'accord. Mais grand projet Dan Junior Fabiola qui parle sorti. Nous avons gagné un peu de musique qui paraît. Nous avons gagné deux clips qui tournent pour projet ça. Faut que moi dit tout le monde qui a regardé l'émission ça. Moi t'en nos musiques sur album qui fait crier. Vraiment? Donc je jamais le canal Junior pour pas de musique ça. Et m'ta souhaité musique ça sorti 14 février et m'a mettre en pile pression sur Dan pour le sortir 14 février. Bien important. N'a suivre. Je dis que vidéo ça pas en rien. Il y a l'autre bagaille. Déjà que mon qui voit vidéo qui dit que ça c'est m'a besoin dit qui est non qui dit ça moi là pas rien ou gagne n'importe 3 4 vidéos qui parle déjà oui nous gagne oui nous gagne au moins 4 vidéos oui nous gagne 3 qui prêt pour sortir nous gagne on a presque fini monter ceci franchement m'pas quitter mission fini pour m'pas poser Fabiola question ça Fabiola après retour sur réseau en pile monde a comparé avec Bedjin. Y'a dit nous sembler. Est-ce qu'on ouais ou même dans Bedjin? Est-ce qu'on ressemble à Bedjin? Bon, moi même pas ouais ça. Bah ouais ça maintenant. Ça va déranger. Bedjin c'est une très belle artiste, très belle voix, ça va déranger. Même penser qu'après nous gain chaque monde gain style pa yo. Chaque monde gain façon tout simplement. Mais bon ça c'est fanatique, on connaît. On va pas dire fanatique, pas dit ça, pas dit ça. Donc ça va déranger. Moi même ça m'a envie dit sous parole ça. Je pense que on monde pas juger pour peut-être lui. Et gon l'autre bagarre aussi. Bon moi même personnellement, les regarder dans miwa. Moi me semblait à gon l'autre bagarre, mais il y a monde qui nous semble à tel bagarre. Tant quoi qui sont ressemblés dedans. Moi me semblait à gon l'autre bagarre, les regarder dans miwa. Qui ça même? Pas même pour la ça mon a dit. Ou ressemble avec un lion. Pas des l'autre bête là. Qui sont ressemblés? Moi me semblait à un bête de travail. Waouh. À un monde qui a lutté qui là qui travaille. Alors Dan, tout à l'heure nous t'a parlé de nouveaux projets, de albums que Dan même li pral sorti. Pour Kounia, là nous en fin mois de novembre, c'était si. Oui, décembre venir. Exactement. Comment ça y est pour feedback là? Est-ce qu'on a jeune Dan qui a performé en pile pour mois décembre et nouvel an nous pas jeune Dan vraiment. Bon, sincèrement, m'pas pressé. Ça qui passé? M'a marché, m'pas pressé. C'est le ça. Pas pour se faire fanatique. C'est ça me connaît comme côté me parler. On va perdre. Dernier fanatique. Non, c'est gain pile demande. Gain pile demande, là gain demande pour Paris, pour la Belgique, pour la Suisse. Gain demande pour les États-Unis. On a choisi. Gain demande aussi pour l'Afrique. On a choisi. Je dis là on m'a pour la Côte d'Ivoire. Le monde qui te gain pour Bahamas. Oh, c'est bien. On a choisi. Mais puis et faut nous tourner solide avec un ben qui a bien joué aussi. Pour avoir la bien fait. Très important. Mais nous concentrons maintenant sur la promotion Vive l'amour. Et puis. Dan, moi, je mettais tout de côté. C'est vrai que nous connaissons Haïti dans ce moment-là, il n'est pas faisable pour un artiste sauter la France, descendre Haïti à le jouer. Mais est-ce que Dan n'a pas un appel pour Haïti? Bon, nous connaissons Haïti actuellement, là, il n'est pas en forme. Depuis que nous avons joué Haïti, Dan, vous songez? Je joue à Haïti depuis 2013. Ça te manque pas? Beaucoup. D'avel? Énormément. Première fois dans Haïti ou soit Fabiola? Non, je suis dans Haïti déjà, avant. En plus, je pense au Pagan. Quel rapport avec Haïti, toi? Pendant ce temps, j'y vais tout le temps. Tu es allé aussi pour 2016-2017. Haïti est annulée, Fabiola? 100%. Mais bon, c'est. Question, ça te répond souvent, mais moi aussi, je vais te dire pas ici. Ouais, donc Dan là Haïti a franchement pas ces fanatiques qui a souffert.
moun yo ta reme wè dad, mais malheureusement ça qui a passé dans pays a mobilisé pour changement. Gang yo pa ba nou chance alors pour ou ta jouer, pour ta performer, pour ta wè fanatik yo, c'est dommage quand même. Bon Stacy, question ta me poser Fabiola Dan. Alors, l'émission a touché à la fin. So question ta reme poser nous, ça nous t'ka nous, enfin public là et tout ça, tout auditeur, tout le monde qui attendait nous, ouais nous, t'es qu'à souhaiter nous pour la suite. Bon, c'est si t'es demandé. En fait, le demandé qui ça, nous souhaiter nous. Qui ça pour nous souhaiter nous? Exactement. Bon, parce que déjà nous avons un bel accueil parce que ça fait longtemps que nous passons cette musique et nous t'es gain en pile attente de duo ça surtout. Du au moment. Bon, par contre, si c'est du au moment, en tout cas, duo, ça t'existait déjà. Du au moment. Pas me préciser, duo, ça t'existait déjà, ok? D'habitude, fait duo avec Ben Junior, ok? Là, vous êtes de retour. Nous sommes de retour, ok? Bon, en tout cas, nous-mêmes, nous comptons sur Fanatic Nouveau. Nous comptons sur vous pour faire musique la machin. Dans nos derniers mots pour tout Fanatic Nouveau. Bon, moi, personnellement, je suis que moi, je suis en pile. Yeah. Je suis en cœur. Je dis, vive l'amour. Allez écouter, vive l'amour. Tendez-le pour apprécier. Et puis, très bientôt, on va retrouver nous tête à tête sur quelques podiums, quelques scènes oui. musicales là en live avec Mounio. Et toi, Fabiola? Yeah, je ne vais pas attendre pour moi, Fanatique, en live pour me enjoy avec vous, franchement. Ceci, donc, merci, c'est ton plaisir pour me te gagner sur le plateau. Oui, même tout, c'était un réel plaisir pour me te présenter ensemble avec vous. Et puis, on se dit à la prochaine. En tout cas, c'est un petit dernier mot. Hein. Oui. Je tiens à vous féliciter, vous êtes magnifique. Merci. Oh, merci. En fait, ma prochaine, parce que nous avons trois petits temps quand même. On avait trop de choses à dire, mais ça passe. Merci Fabiola, merci Dan. Merci à tout le monde qui était branché. Émission ça. Pas oublier Alpha Loati sur tous les côtés Instagram, TikTok, YouTube, tous les côtés net qui est Fabiola Dan Junior. Continuez, partagez et puis gardez musique là. Bye bye tout le monde. Mais espérez vous croiser ensemble avec nous pour notre émission. Bye bye. Pendant qu'Aïla n'a pas tourné, nous fait journée, nous pas parler, comme si nous c'était étrangers. Vous pas attendre mon bouche et oreilles, vous dites ça m'a pas dit, vous dites ça m'a pas fait.